Je suis Tulubiso Ignace de Loyola. Je suis catéchiste catholique de Bibayenfok, diocèse de Samlima, arrondissement de Mimoussala. C'est ma première fois de mettre pied dans cette chapelle. Ma deuxième fois, pardon. La première fois que je suis entré ici, j'ai été délivré. Comme je ne peux pas garder tout ça dans mon cerveau, j'étais obligé de rédiger ce que je dois vous dire. Acclame pour Papa Ignace. Alléluia. Je remercie d'abord le Tout-Puissant, notre Dieu et notre Père. Je remercie le pasteur Augustin Bicor, grand serviteur de l'Éternel, qui ne se fatigue jamais à garder les brebis de l'agneau de Dieu. Je remercie mon fils Paulon Roger Eco et sa chère épouse d'avoir fait tout pour le tout pour m'inviter ici. C'est grâce à M. Eco que je suis ici. Je remercie enfin ces enfants qui me gardent comme il se doit. Vous savez qu'il y a des enfants très rebelles maintenant, mais ces enfants sont tellement obéissants. Je sens la présence dans sa famille. Je suis arrivé dans cette chapelle, j'avais de violents maux de tête. Très violent, je n'avais pas de repos. Quand je suis arrivé ici toujours, je n'écrivais pas, ma main n'arrivait pas à tenir le bic. Pour écrire, c'était tout un combat. Pour écrire A ou B, c'était tout un combat. Maintenant, j'écris comme il se doit. Pour ma première fois, j'écris comme il se doit. J'ai écrit, les mots de tête sont disparus. Je n'ai plus de mots de tête. J'avais des insomnies. Je passais 2 à 3 jours sans dormir. Maintenant, je dors bien. Tchaï! Ma première fois que j'avais mis pied ici. Regardez tout ce que mon pasteur a fait dans ma vie, la première journée. Ce calvaire, je l'ai déjà oublié. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Les insomnies. Ces insomnies, quand j'écris le livre, je suis comme si j'avais pris tout un whisky. J'étais déjà sous avec les insomnies. J'avais tellement mal au dos. Si je fais quelques mètres ou un demi-kilomètre, je devais m'asseoir. Parce que le dos me faisait très mal. Chers frères en Christ, je suis en train de suivre Jésus et dans cette chapelle, je veux suivre Jésus. Alléluia! Étant à Yaoundé, 300 km pour arriver ici, Dieu va m'aider. Je peux me battre pour arriver ici. Le Saint-Esprit est dans cette chapelle. Il y a le Saint-Esprit ici. Merci Seigneur Jésus, merci de m'avoir amené ici. Ah. Tu ne dis pas merci à Jésus, tu n'es pas sérieux. Acclame-le. Et papa a dit quelque chose, il a dit qu'il n'arrivait pas à écrire, ça faisait longtemps. Et j'aimerais vraiment qu'on teste ce témoignage maintenant.
J'aimerais qu'on voie la véracité de ce témoignage. Alléluia. Je veux qu'on acclame, qu'on célèbre réellement ce que le Seigneur a fait avec les preuves. Amen, amen. Alors on va donner un cahier à papa et il va écrire. Il va nous montrer comment sa main fonctionne bien. Amen. Je n'ai envoyé personne. Regardez ce papier, je n'ai envoyé personne. C'est moi-même qui ai écrit dans ma chambre. Quelqu'un qui n'arrivait pas à écrire. C'est moi-même qui ai écrit. Je n'ai pas envoyé mon petit-fils, ni mon fils, ni ma belle-fille. Papa, merci Jésus-Christ. Écrivez merci Jésus-Christ. Chai. Bon. Ce que j'ai écrit, je t'aime Jésus. Acclame le Seigneur. Un seul rendez-vous, Jésus fait tout. Il ne parvenait pas à écrire, il avait mal au dos, mal à la tête, des insomnies, tout ça là, c'est parti, tout ça c'est parti. Dis à ton frère, tout en un. Tu dis amen, ça va t'arriver. Ton amen n'est pas monté au ciel. Qu'est-ce que vous dites au Seigneur et au peuple de Dieu? Oh, au peuple de Dieu, d'abord à mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je le remercie grandement qu'il me regarde dans toutes mes voies, ma famille et moi-même, que nous soyons compréhensifs à venir dans cette chapelle. Je souhaite, mon souhait le plus ardent, c'est de venir ici parce que d'après ce que j'ai vu, il y a le Saint-Esprit dans cette chapelle. Le Saint-Esprit n'a même pas attendu à ce que je sorte. Là. Dis à ton frère, là. Le premier qui dit amen, tu fais là. Le premier culte a donné. Me voici. Je ne sens plus mal à la tête. Je dors. Je me promène, j'écris. Je n'appelle plus quelqu'un pour m'écrire une lettre. Waouh!